Quel âge ? Moi ? Oui. 63 ans. Et je vous emmerde. Il est pas gentil avec les filles ! Il les traite de salopes ! Ah la vache ! Qu'elles sont belles, les salopes ! Elles sont tapes, tu peux pas savoir de la météo. Pourvu qu'elle monte ses seins, salope ! Non, non. Vous avez dit que j'étais une salope, alors ? Non, non. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui... Oui, oui. Oh, popopo ! Allons, les enfants, calmez-vous ! Et puis, il crie très, très fort ! Il se moque de tout le monde ! Il y a des femmes qui mériteraient d'être des hommes. Vous parlez de qui ? Vous parlez pas de Christine Boutin, par hasard ? Oh, bah, il faut qu'elle arrête la télé, elle va... Elle va fabriquer des générations entières de PD. 5 juillet, oui, Jean Édernalier déclare sa sympathie pour Jean-Marie Le Pen, qui la lui rendrait bien. Solidarité de borgne. Oui, c'est ce que je voulais. Dernière nouvelle, et comme il en fait toujours trop, Allier pousserait l'aveuglement jusqu'à la cécité. Je me suis dit, bah, c'est de là, s'ils font des petits, j'aimerais bien qu'ils m'en noient. J'ai rencontré un jour Ardisson qui m'a dit, pourquoi tu passes jamais dans mes émissions? Je lui ai dit, parce que j'aime pas tes émissions, parce que je t'aime pas toi. Ça te suffit. Ça veut lui faire plaisir. Alors il me dit, t'as lu mes livres? J'ai dit, j'ai pas fini Balzac, c'est pas une urgence. Regardez Poivre d'Arvor, qui en soi déjà est à classe X parce qu'il a quand même un physique. Il est érotique, quoi. Il a quelque chose de. Oui, il est à la limite, il faut bien dire, de l'obscène, dans le genre tête de nœud, mais. J'aime beaucoup Claire Chazal. J'ai regardé Arthur, une horreur, Arthur. C'est pas parce qu'il est jeune, c'est nul. Tous les nuls ne sont pas sur Canal Plus. Hein. Non. Mais disons, le petit, là, il s'appelle comment déjà? Ariel Wiesmann. Ah ouais. C'était bien Antoine de Caunes. Hein. Ah, dans le spectacle. Ah, oh. Il est pédé en plus. Hein. Oui. De Chavannes, moi je le trouve doué. Un bon pro quand même. Oui, je le trouve très doué, De Chavannes. Oui. Je veux dire, pour la télé. Oui. Pour la vie. Mais pour la télé, il a raison de faire de la télé. Maintenant, il faut faire attention à l'audimat, quoi. Là où il est. Ah oui, voilà. Mais il y est pour c'est rien. Il paraît qu'il en a perdu un million. Oh, moi j'en suis rien. Tu sais très bien. Non, non, on le perd pas. Oh, le jésuite. Oh, le tartuffe. Non, ma fille, vous n'y êtes plus du tout, là. Il est archi de gauche. C'est pas grave, hein, il est marrant. Puis formidable aussi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient de faire une revue de presse sur la droite. Ça va être marrant. Quoi? Vous l'avez lu, vous, Guy Baudot, cet article de Baladur? Non, parce que j'ai déjà des somnifères à prendre le soir. Donc, moi, c'est Baladur, vrai. C'est le seul moment où je le regrette, c'est quand il passait à la télé régulièrement, je dormais beaucoup mieux. Édouard Baladur. Quoi d'autre encore? Ce que je sais, c'est que je ne ferai pas campagne pour Le Pen, vous voyez, ça c'est très clair. Ni pour Chirac, ni pour Giscard, ni pour Barre. Peut-être que je ferai campagne pour personne, je fais campagne pour moi. Clinton, j'en parle dans le spectacle parce que tout le monde en parle et que c'est, comme on dit, incontournable. Il n'y a pas un personnage sympathique dans cette histoire. Donc le procureur star, c'est à peu près De Villiers enquêtant sur Cohn-Bendit. T'es relou, hein? Clinton, c'est un nigo, c'est un benêt. Il a l'air d'un sous-directeur d'une agence de la BNP qui se tape une petite qui cherche du travail. Formidable, fallait y penser. Oui, cette jeune fille m'a poussé de mon siège pour venir passer une annonce. Oui, Agnès. Je m'appelle Mazarine Bedos. Alors la prochaine fois que tu me croises dans les couloirs de Canal, ne fais pas semblant de ne pas me reconnaître, ou je dis tout à Paris Match. Alors lundi soir, France 2 programme la télé des inconnus. Et c'est l'émission de Michel Drucker, Star 90, avec vous et Muriel Robin, qui a gagné sur TF1. Alors pourquoi êtes-vous en colère puisque vous avez gagné? Je supporte pas la trahison. Et c'est ça la politique maintenant. C'est ça la politique maintenant. C'est le comportement. C'est le comportement des gens. Ça va bien au-delà de la gauche et de la droite. Je me fous complètement que Hervé Bourges passe pour un type de gauche. Tu vénères, hein? Ceux-là, qu'ils appartiennent à n'importe quelle chapelle que ce soit, qu'ils aient... Et plus ils seront haut placés, PDG des deux chaînes de mes fesses, je m'en fous. Je l'emmerde, Hervé Bourges. Voilà, c'est clair. Enfin, Philippe, c'est de l'inconscience. Mais non!
Je ne suis pas méchant. Je sais très bien ce qu'on dit de moi. On dit Paul-Henri, c'est une teigne, c'est un bol de fiel. Il est méchant, il est aigri, il est cruel. Mais non! Il y a plein d'autres comiques très rigolos. Il y a Jean Amadou, il y a Philippe Bouvard, Christian Clavier. Je déteste attaquer les vieux. Et Clavier est un petit vieux. J'aurais tellement aimé qu'on attend. Compliment, parce qu'il a me traité de vieux, mais lui, c'est dans la tête qu'il est vieux. Bah oui, mais ce soir, c'est Bedos, hein. C'est une programmation faite en dépit du bon sens. Le bouffon, tu veux me tailler? T'es fou? T'es ouf? Vous avez déclaré, si je fais des spectacles, c'est justement pour me faire rire. Vous pourriez tout de même penser un peu aux autres. Moi, ce qui m'amuse, c'est justement de me marrer sur scène et d'imaginer que les gens sont là et pendant que le mec... Oui, il y a beaucoup d'appels pour dire, Guy Bedos, vous êtes vraiment égoïste, vous ne pensez qu'à vous et aux Arabes. Attends, parce que je l'avais pensé en arabe et je le traduis en français. Non, si tu permets, façon. Tu permets, Guy. Ah, tu me prends l'accent pied noir. Oui. Alors, Bedos, vous, dans l'année, vous en avez parrainé des sans-papiers comme d'autres artistes. Oui, j'en ai plusieurs. Il y a des associations qui font du boulot. Voilà. Mais ça sert à quelque chose de parrainer des sans-papiers ou oh, c'est... À un moment, je me suis posé la question. D'ailleurs, j'ai failli arrêter. Et puis, on m'a dit oui, mais non, parce que. Il n'y a que Guy pour faire ça, formidable. Quand ils sont arrêtés par les flics, ils voient mon nom ou le nom de quelqu'un comme ça, ils se disent, oh là là, ça va faire des emmerdes, l'autre con, il va parler à la télé. Mais Bedos, vous savez, c'est très surfait finalement, Bedos, il est très dur. Il n'a pas cette générosité de cœur que j'ai. Pierre Desproges, Simone Signoret, je serais tenté de dire, on l'a commencé avec votre frère, on la termine avec votre sœur. Oui, c'est vrai. Oui. Ils sont tous les deux, ils habitent ensemble d'ailleurs maintenant. Ils sont dans le même cimetière, au Père Lachaise. C'est sûrement les deux personnes qui se sont absentées auxquelles je pense le plus souvent. On est tous foutus, on crèvera, je vois pas pourquoi on applaudit comme des singes à l'arrivée de ce siècle qui nous est tellement défavorable. C'est ce que je voulais dire en premier. Bien sûr. Et je laisse parler Agnès. Mais l'arrivée du siècle, c'est en 2000. Agnès, c'est pas en 2000. Tu m'as toujours appelé Agnès, arrête tes conneries. Je supporterai jamais les faux culs et les cons. Donc, je changerai pas. Ça, c'est mon côté alceste.